Le texte utilise un style qui est le style corps du texte. Donc si vous allez dans le menu type, dans la version anglaise, menu texte dans la version française, et vous allez chercher les paragraph styles, les styles de paragraphe, vous allez voir qu'on a le style de paragraphe corps du texte qui est utilisé par tout le texte. Il est utilisé par tout le texte là, actuellement. Tous les paragraphes qui sont là sur toutes les pages utilisent ce style. Donc la preuve, c'est que si vous prenez l'outil texte et vous cliquez n'importe où sur n'importe quelle page et vous faites un CTRL-A sur le PC, CMD-A sur le Mac, vous sélectionnez tous les paragraphes sur toutes les pages, comme on le voit. Et le style ici reste en surbrillance, il reste sélectionné, ça indique bien qu'il est appliqué sur tous les paragraphes. Si il n'était pas en bleu comme ça, s'il était grisé comme l'autre paragraphe standard, ça voudrait dire que, tiens, parmi tous les paragraphes sélectionnés, il y a différents styles, en fait. Mais donc là, c'est bon, le style corps du texte est utilisé partout. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va zoomer sur une des colonnes. Alors, voyons un peu ça. Est-ce que vous avez, à certains endroits, on va déjà régler des problèmes, à certains endroits, est-ce que vous avez le signe 2 points qui commence une ligne? Ça peut arriver. Je vais faire une recherche ici, on va voir. Je vais faire une recherche, faites-la aussi. Mettez le curseur texte sur la première page au tout début, là, de la première page du document. Et faites édition, rechercher, remplacer. Donc, edit, find, replace. Et vous allez taper ici le signe 2 points. Et vous allez cliquer sur le mot suivant pour qu'il nous trouve l'occurrence suivante. Donc, il va vous trouver partout les 2 points. Et il est possible, voilà, c'est arrivé, le troisième chez moi, en tout cas. Si chez vous, vous n'en avez pas qui débute une ligne, c'est pas grave. Vous le voyez chez moi. C'est le genre de chose qui peut arriver. On a le signe 2 points qui commence une ligne. Et évidemment, ça, c'est ultra foireux. Donc, on va voir comment résoudre le problème automatiquement. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est résoudre déjà ce problème-là. OK. Vous êtes toujours dans la boîte Recherche et remplacer. Le dernier outil que vous aviez utilisé, c'est l'outil texte. Il est toujours activé dans la palette des outils. Je vous rappelle que si vous voulez bouger dans la fenêtre les pages qui sont derrière, sur l'écran, vous voulez bouger les pages qui sont derrière, il faut enfoncer la touche Alt. Normalement, pour faire le raccourci de la petite main, là, c'est la barre d'espacement. Mais vu qu'on est avec un outil texte, on doit utiliser la touche Alt exceptionnellement. Ça vous appelle la petite main et vous pouvez bouger derrière. Vous avez Alt roulette pour zoomer en avant, en arrière. Et vous pouvez bouger derrière avec la touche Alt. Donc, voilà. Donc, on va régler le problème de tous ces 2 points qui, potentiellement, tous ceux qui se trouvent dans le document pourraient, à un certain moment, commencer en début de ligne. Si je commence à modifier l'orthographe dans le document, changer des mots, évidemment, il y a des choses qui vont bouger. Et il y a un risque qu'à un certain moment, il y ait cette erreur qui apparaisse. Donc, voilà comment faire. Dans la boîte « Rechercher, remplacer », vous allez indiquer que vous recherchez un espace. Vous allez taper, juste avant les 2 points, là, vous allez taper un espace, un seul. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Vous avez un espace avant le signe de point, systématiquement. C'est un texte qui vient de Firefox, le navigateur Firefox, et on était en train de visualiser un article de Wikipédia, on a fait un copier du texte, et là, on l'a collé, et voilà. Et c'est logique, c'est pas un problème, un espace avant les 2 points, c'est pas un problème. Vous voyez que les espaces dans le texte sont indiqués avec des petits points bleus. Bleu, pourquoi? Parce qu'on est en train de travailler sur le calque, le premier du document, et ces vecteurs sont bleus, par défaut. Chaque fois qu'on crée un nouveau calque, les vecteurs sont dans une couleur différente,
qui peut se changer en double-cliquant sur le calque, cette couleur-là. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que c'est bleu, mais ce ne sera pas tout le temps bleu. Si vous travaillez sur un calque dont les vecteurs sont rouges, vous aurez les caractères masqués, les balises, ce qui ne s'imprime pas finalement sur le papier, ce sera indiqué là dans le logiciel en rouge à ce moment-là. Et ça, c'est en allant dans le menu texte, afficher les caractères masqués, menu type, show hidden characters. C'est comme ça qu'on a fait apparaître à un certain moment les caractères masqués. C'est comme ça que les pros travaillent dans InDesign avec les caractères masqués qui sont affichés. Les balises sont affichées. Alors, voilà, vous avez donc recherché un espace et deux points. Vous allez remplacer par, vous cliquez ici, remplacer par. Remplacer par quoi ? Ben par un espace qui ne peut pas être coupé. On appelle ça un espace insécable. Donc, pour savoir comment indiquer un espace insécable à cet endroit-là, dans le champ remplacer par, on va aller sur le petit gizmo. Et vous avez sur le petit gizmo le menu espace et vous avez espace insécable. Il y en a un autre, espace insécable chasse fixe, ça veut dire que tous les espaces insécables qu'on va insérer dans le document auront la même largeur. Ils ne vont pas varier, la largeur de l'espace ne va pas varier en fonction de la justification du texte. Le fait que InDesign essaie de coller le texte de chaque côté de la colonne, ça fait varier les espaces, vous avez peut-être remarqué, entre les mots notamment. Donc voilà, ça c'est juste l'explication pour la chasse fixe, mais utilisez plutôt celui-là, c'est pas un problème, espace insécable, tout simple. Et vous voyez apparaître une balise ici, c'est la balise de l'espace insécable. Donc si vous la connaissez par cœur, vous auriez pu la taper directement, mais vous avez le petit gizmo, l'arrobase ici, avec tous les raccourcis qui sont indiqués. Et après ça, on tape deux points, voilà. Ensuite, on va faire une recherche dans le document. Donc, ça pourrait marcher si je choisissais article dans ce cas-ci, mais imaginons que vous avez un document avec plein d'articles. Des articles, c'est des blocs de texte ou des séries de blocs de texte chaînés entre eux. Hein ? Vous avez trois blocs de texte chaînés entre eux, c'est un article. Vous avez à un autre endroit du document, séparé par une publicité qui est sur une page, par exemple, vous avez 5 autres blocs de texte chaînés, c'est un deuxième article. C'est ça la notion d'article dans InDesign. Mais si vous cherchez dans le document, tous les articles présents, mais je vous dis tout de suite, dans le document, il n'y en a qu'un seul actuellement, mais tous les articles présents dans le document seraient affectés par le rechercher remplacé qu'on va faire ici. Vous allez cliquer sur « Tout remplacer » et il m'a trouvé dans le texte ici 34 modifications. Il a trouvé 34 endroits où il y avait le signe de point. Et je clique sur OK. Je peux cliquer sur Terminer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, tous les signes de point sont. Espace et deux points sont remplacés par un espace insécable, non coupable, suivi de deux points. Donc on n'aura jamais les deux points en début de ligne parce que les deux points sont obligés d'être toujours attachés au mot qui précède parce qu'on a un espace ici qui les lie. Alors c'est un détail, mais la typographie est un bon document. C'est une somme de petits détails comme ça qui ont l'air ridicules quand on les prend séparément, mais quand on les ajoute, finalement, ça fait un document qui a un look meilleur que si c'était du Word. Bon. Tant qu'on y est, on va régler le problème des guillemets. Donc, ils sont des guillemets français ici, mais c'est pas un drame. Je vais pas m'attarder sur la question des guillemets, mais je remarque juste que j'ai des guillemets qui finissent en fin de ligne, qui finissent la ligne, c'est pas bon. Donc je vais ici sélectionner un guillemet, je vais faire un copier. Vous avez trouvé un guillemet quelque part ? Il y en a plein, hein. Normalement. Un guillemet typographique, un guillemet français. Sinon, vous regardez. Et vous allez finir par en trouver. On va essayer de régler le problème aussi du guillemet.
Donc je vais dans édition, rechercher, remplacer. Et là, il va falloir taper, coller le guillemet, faire un espace. Ici, coller le guillemet, lui ajouter un espace insécable à la suite. Voilà. Donc on recherche, il faut bien vérifier qu'on n'a pas fait de gaffe, on recherche un guillemet d'ouverture suivi d'un espace, parce que c'est ça qu'on a dans le document, et on le remplace par un guillemet d'ouverture suivi d'un espace insécable. Et on fait tout remplacer. Il en a trouvé 55, et voilà, on a forcément le guillemet qui sera toujours attaché au mot qui suit. Terminé. Je vais faire la même chose pour le guillemet de fermeture. Donc je le sélectionne ici par exemple. Voilà, je le copie. Je fais un édition rechercher remplacer dans le document. C'est un guillemet de fermeture précédé d'un espace. Précédé d'un espace, évidemment. Et je le remplace par la balise d'espace insécable suivi du guillemet de fermeture, voilà. Et ça devrait déjà améliorer le texte. Alors, il y a plein de petites astuces comme ça pour améliorer un texte que vous recevez et qui n'a pas nécessairement été fait par quelqu'un qui s'y connaît en mise en page, en typographie. Il y a plein de choses comme ça à faire. On ne va pas toutes les passer en revue parce que ce n'est pas un cours expert InDesign. Mais sachez qu'il y a une trentaine d'opérations comme ça qui peuvent être faites pour améliorer du texte brut qu'on reçoit comme ça. Ah oui, pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi il y a des signes roses à certains endroits, c'est que c'est une police qui est non installée sur l'ordinateur. Donc voilà, c'est typiquement, on a le surlignage rose. C'était certainement des références de bas de page à cet endroit-là, inscrites dans un caractère spécial, une police spéciale. Donc voilà, pas d'inquiétude pour ça. Alors on va enregistrer le document, fichier enregistré sous, et dans le dossier d'assemblage que vous avez reçu, vous pouvez continuer d'enregistrer votre document au format InDesign. Je vais changer un peu le numéro ici. C'est toujours une bonne idée d'enregistrer régulièrement sous un nom différent, parce que comme ça, si vous foirez complètement le brawl, vous aurez au moins la version d'avant qui va vous sauver. Bien, alors on va ici aller modifier l'espace interlettre. Le gris typographique du texte a déjà été contrôlé, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte de régler la justification de manière à ce que, vu de loin, le texte fasse des pavés gris unis, sans des lézardes blanches créées par les espaces entre les mots. Le gris typographique. Alors ici, sur le web, je vais juste taper « gris typographique ». Comme ça, vous voyez un peu de quoi il s'agit. Il s'agit de... Il y a plein d'explications sur le web à ce propos. Il s'agit de vraiment faire en sorte qu'un texte soit sans lézardes et fasse un gris uni quand on le voit de loin. Donc ça fait partie de ce qui apporte un côté professionnel au document. Bon, je vais voir ici page, par exemple, au hasard, hein, sur un des articles qui parle du gris typographique, vous voyez, avec réglage à droite, vous devriez sentir que le pavé de texte est plus uni, il y a moins de lézardes, tandis que à gauche, sans le réglage de justification, on a les espaces entre les mots qui créent des lignes blanches, en fait, qu'on voit, ça vibre, c'est pas génial. Alors, je vous le montre et vous le voyez sur votre document sur l'écran, mais pour vérifier vraiment la qualité d'un gris typographique, il faut le sortir sur une imprimante laser, noir et blanc. Pas sur une jet d'encre parce que ça rend les choses floues, sauf si vous utilisez du papier photo très cher. Donc, pour vraiment vérifier la qualité d'un texte que vous êtes en train de mettre au point, avant de commencer à faire tout le rapport d'entreprise, tout le magazine,
toute la brochure, 16 pages. Vérifiez d'abord que la police de caractère que vous avez choisie, la dimension de texte que vous avez choisie, les réglages de justification que vous avez choisis, donnent finalement sur le papier un texte qui est agréable à lire. Faites même plusieurs versions et choisissez la meilleure. Parfois, bizarrement, un texte avec des caractères plus petits est plus lisible, plus agréable qu'un texte plus grand. Ok, alors on va cliquer à côté de tout. Donc avec la flèche noire, vous cliquez à côté des pages, rien n'est sélectionné. Et on va aller modifier l'aspect des paragraphes par le style, en fait. Vous avez le style de paragraphe corps du texte body. Vous allez double-cliquer sur lui. Vous allez cocher la case aperçu. Pourquoi ça s'appelle corps du texte body ? Parce que corps du texte, c'est le texte principal du document. C'est ça qu'on est en train, en premier lieu, de régler. Avant de commencer à faire des sous-titres et des titres, on règle le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document, ce qu'on appelle le corps du texte. Et en anglais, ça s'appelle le body. Bon, voilà pourquoi je vous ai mis ça entre parenthèses. Vous avez coché la case preview dans la version anglaise, case aperçue dans la version française. Les réglages de justification qui permettent d'éviter les lézardes, qui permettent d'avoir un gris typographique uni, ils sont là, justification, et ils ont déjà été modifiés, bien sûr. Il y avait ceci qui était à 0%, ceci aussi, et ça a été mis à moins 10 et à 10. Et ça donne la possibilité à InDesign de faire coller le texte de chaque côté de la colonne en faisant varier non seulement l'espace entre les mots, ça c'était d'origine dans InDesign, il pouvait faire varier l'espace entre les mots selon cette latitude-là, mais il peut également, depuis qu'on a mis moins 10 et 10 ici, il peut faire varier l'espace entre les lettres. Bon, on peut peut-être modifier un peu les choses et voir, parce que j'ai remarqué que sur certaines lignes, on a quand même des espaces très petits entre les mots, et sur d'autres lignes, des espaces plus grands. On peut peut-être essayer d'améliorer encore ça, oui, et voyez ça, en donnant encore plus de possibilités à InDesign de faire varier l'espace entre les lettres. Par exemple, à la place de moins 10, essayez moins 15, et à la place de 10, essayez 15. Touche tabulation pour valider ce que je viens de taper là-dedans, comme dans tous les logiciels Adobe, la touche tab sur le clavier. Voilà, c'est validé. Est-ce que ça améliore ou pas ? Ben pour le voir, je reste dans la boîte et je vais cocher et décocher la case aperçue et regarder ce que ça donne. Il y a des choses qui changent, oui, oui. Il y a des choses qui changent, mais pas pour le mieux, tiens, bizarrement. Voilà. Non, ça n'améliore pas vraiment les choses. Il y a peut-être possibilité, normalement on évite, de faire varier la largeur des caractères. Je vais remettre moins 10 ici, et 10 qui finalement n'était pas une valeur mauvaise. Ça se teste vraiment avec chaque caractère, ça. Et pour la mise à échelle de la largeur, je vais indiquer 90 ici, et peut-être 110 ici, et ça va peut-être améliorer les choses. Touche tabulation pour valider la dernière valeur que je viens d'indiquer là. Voilà, ça passe au cartouche suivant. Voyons un peu ça maintenant, si je coche et je décoche la case aperçue. Oui, ça peut être mieux. Oui, ça peut être mieux, je pense que c'est mieux. D'après ce que je vois là. Bon, ok, je vais cliquer sur OK pour valider ça et enregistrer le document. Alors, on n'a toujours rien qui est sélectionné, donc je clique, pour être vraiment certain, je clique à côté de tout, et on va télécommander l'aspect du texte à nouveau par le style de paragraphe. On double-clique sur le style de paragraphe corps du texte. Et ce que j'aimerais tester ici, c'est encore essayer d'améliorer l'aspect du texte en modifiant l'espacement général entre les lettres. Parce que oui, en allant dans justification à cet endroit-ci, interlettrage, on laisse InDesign régler différemment entre chaque paire de lettres régler l'espacement. C'est ce qu'on appelle l'approche de paire. Mais on a aussi l'approche
de groupe l'approche globale entre les caractères. Et ça, vous avez dans les formats de caractères de base, dans les options de style format de caractères de base, vous avez ça ici, l'approche. Vous voyez, il y a deux manières de régler l'espace entre les caractères. D'une manière globale et au niveau plus précis entre chaque lettre. Mais ça, c'est évidemment InDesign qui le fait. Alors ici, je vais tester. Si je mets 10 d'approche, touche avec la case aperçu cochée, touche tabulation pour valider ce que j'ai mis. Ça n'a pas changé grand-chose. Je vais indiquer un peu plus. On va indiquer 30. Touche tabulation. Oui, ça change. On voit que ça change derrière. Donc, avec une approche de 30, j'ai augmenté l'espacement global entre les lettres. Et vous devriez voir que ça fait un texte. Les lettres se détachent plus les unes des autres. Et donc, on est bien d'accord qu'en plus de ça, InDesign fait l'approche de paire. Entre chaque paire de lettres, il règle pour que ce soit correct la justification, le fait que ça colle de chaque côté. Bon, ok, je peux laisser comme ça. Il me semble que 30, c'est pas mal. Normalement, je devrais faire plus de tests, hein, mais je vais peut-être tester quand même avec un peu moins. 20 touches tabulation, parce que je trouve que entre les mots, il y avait un espace qui ressemblait un peu trop à ce qu'il y a entre les lettres. Voilà, 20, ça peut être bien. Bien sûr, on peut aussi aller dans l'autre sens, faire une approche négative. J'aurais pu marquer un chiffre négatif, par exemple moins 20, et touche tabulation pour valider, et les lettres vont se rapprocher à ce moment-là. Et bizarrement, ça peut aussi améliorer la lisibilité. Il faut vraiment faire des tests, je vous le dis, hein, si vous êtes en train de mettre au point un document. Il faut vraiment faire des tests. Je vais revenir à 20 parce que je trouve que c'est pas mal. OK. On va enregistrer le document. Alors, on va aller régler l'espace entre les paragraphes. Ça a déjà été fait. Vous avez remarqué que entre les paragraphes, pour marquer la différence entre les paragraphes, ceci sera un titre, ce sera changé en un titre plus tard. Mais pour marquer la différence entre les paragraphes, il y a un espace, évidemment, c'est pas obligatoire, parce que la dernière ligne du paragraphe est toujours alignée à gauche, il y a toujours de l'espace blanc, enfin souvent de l'espace blanc à droite du dernier mot de la dernière ligne du paragraphe. Mais malgré tout, pour aider la lecture, pour donner l'impression que c'est un peu plus agréable à lire, pour faire moins texte au kilomètre, il y a de l'espace entre les paragraphes, et bien sûr, ça n'a pas été créé en créant un paragraphe vide, comme les barakis le font dans Word, quand ils ne connaissent pas l'utilisation du logiciel, ou dans InDesign d'ailleurs aussi, tout existe à notre époque. Donc, évidemment, c'est comme ça qu'on gère l'espace entre les paragraphes, c'est par le style de paragraphe. Là aussi, on va y aller. On va cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné. On va modifier globalement les paragraphes. Vous allez vous retourner dans Corps du texte body. Vous voyez que je suis prudent, hein. Je ne fais pas toutes mes modifications d'un coup. Je retourne de temps en temps dans le style. Et entre-temps, j'enregistre sous un nom différent le document sur le disque dur parce que je déteste me planter, faire des mauvais choix et devoir recommencer. Donc, par contre, retourner à la version d'avant, ça ne me dérange pas trop. Donc, je redouble-clique sur corps du texte body. Et l'espacement entre les paragraphes, c'est dans retrait et espacement. Vous avez ici espace après. Espace après, vous pouvez modifier ça. Avec la case aperçu cochée, vous devriez remarquer que ça modifie les choses. Et on a les espaces entre les paragraphes qui se modifient. Donc, l'interlignage, l'espace entre les lignes de texte ne change pas. C'est juste l'espace entre les paragraphes. Ben à la place de 8, mettez 3 par exemple. Je pense que visuellement, c'est pas mal. Au passage, l'espace entre les lignes, ce qu'on appelle l'interlignage, c'est dans les formats de caractère de base ici, interligne. Vous voyez que c'est indiqué entre parenthèses pour indiquer que c'est InDesign qui a calculé ça. Quand InDesign calcule une valeur, il la met entre parenthèses. Et il a calculé comment? J'ai choisi dans le texte ici de mettre du texte 18 points. Et InDesign est réglé pour que l'interlignage soit à 120%. Donc 21,6, c'est 120% de 18. Bien sûr, on pourrait le modifier manuellement s'il fallait.